Eh bien, bonjour à toutes et à toutes, et bienvenue aujourd'hui sur MC2. On se retrouve sur Avenir 23. Donc un Vanoul A330 CNG, en livrée votre bus, pour faire la prise de service, pour faire la ligne 350 qui relie de Avelia à Fleagame, tous les dépôts. 99, pardon, wow. Nous faisons la ligne. Pardon, nous faisons la ligne 99 qui relie le dépôt d'Avelia jusqu'à Fleagame. On en a pour 20 minutes. Et nous partons à 14h. Donc, nous allons avancer le temps. Je veux dire encoder la ligne. Et là, l'afficheur fonctionne. Pas comme il y a 2 minutes. J'avais pris le Caplice Plus sans faire exprès. Il y a un peu de mal ici avec la sortie. De toute façon, comme je l'ai déjà dit, des vidéos où je ne me prends pas de trottoir ou que je ne fais pas de bêtises, c'est pas mes vidéos. Par exemple, là, j'ai failli foncer dans le mur. Hein. Dans le mur. Voilà, voilà. Nous allons à droite. Et j'ai un peu trop large. Alors, normalement, si je me trompe pas, on est sur la dernière vidéo de la map. Donc, ce qui veut dire que ce sera le live normalement ce vendredi. Pardon, si vous regardez la vidéo plus tard, le vendredi 30, si je me trompe pas. Ouais. Sur YouTube, mais pas sur Twitch, parce que les lives MC ne seront plus sur Twitch. J'y réfléchis encore en vrai. Donc, à voir. De toute façon, ce sera annoncé en temps et en heure. On verra bien comment ça se passe. En fait, ça sert à rien de mettre les annonces vocales et quoi, il n'y en a pas. Heureusement que j'ai pas fait le Yonkir avec la 350, hein, ça aurait fait pareil. Donc la prochaine arrêt signé. Et j'aurais dû prendre la montée pour toutes les portes, j'ai oublié de la. J'ai pris la montée normale. Merci. Il y a quand même de la patate pour un bus au gaz. Je sais que sur les A500, j'ai un bug. Les A500 bar 2, j'ai un bug. Les clignotants, des fois, ils commencent à faire n'importe quoi. Ouais, ils vont super vite. Ma seule ligne droite toujours. En plus il est en mode vas-y, je décode. Hein. J'ai même pas freiné, j'ai continué mon accélération. Il perturbe un peu qu'on n'ait pas pris de voyageur. Faire une arnaque comme on fait imaginer que c'est tout ça dans ses vidéos, genre il prend une autre ligne et il a quand même des passagers. C'est Techmon ce qu'il nous fait, je sais plus. Enfin, quand je dis arnaque, c'est pour
quand même avoir de l'animation dans le bus. Et bah après les passagers sont aussi s'en foutent. S'emmener de point A au point B, ça va. Ah, que c'était sur Villemolle qu'il avait fait la ligne bonus, qu'il avait fait ça notamment. La ligne bonus, la ligne va barrer. Que j'aurais pu foncer dedans et ou le doubler. Et bien au moins je prends la vanne qu'on prendra qu'une fois seulement. On va voir si on reprendra sur Villemolle. Bon, sur Villemolle le défi ce sera des premières lignes. Enfin, je vais poser un défi, c'est prendre des bus belges au moins pour une semaine sur Villemolle. D'ailleurs, je risque de très vite passer au Mercedes. Je plaisante. Bon. Un peu mordu le trottoir là. La bordure, pardon. Ma conduite est correcte. Donc, là on va descendre. On va faire la gravité. On va laisser la gravité travailler. J'ai bugué, j'ai regardé la route. Et du coup, t'es allé dans l'autre sens, je pense. Mais t'es fait avoir. Ah, je peux entendre la petite game, j'espère. On passe demi-tour. Et du coup, Oxy croit qu'on a passé à l'envers alors que non. La belle voiture, elle a des pop. Voilà, bonjour, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Oh, bah. Merci, bonjour. Il y a des gars dans Alma-Ajou là. On va dire qu'il y a des... Merci. On va dire qu'il y a des fraudeurs sur la ligne, donc c'est pour ça qu'on vend des billets quand même. Et je sais que c'est une excuse éclatée pour désactiver la... pour ne pas désactiver la vente de billets. Ah dommage, j'ai cru qu'il allait en avoir plus, c'est pas grave. Donc prochain arrêt, After Game Depot. 6 km. Trottoir encore. Ah super, je préférais que je les entendais pas. Au moins on a pas celle qui m'a sorti la conduite à la Schumacher. Bon, c'est très bien qu'il m'énerve à chaque fois que je l'entends. Waouh. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai roulé trop vite dans le virage. Un screen sur l'autoroute, hein, qui sait. Là on va à Free Game. Free Game, Free Game, je ne sais plus comment on dit. Hop.
Voilà. Il va encore faire le con. Belle crippelle, tu vas faire le con. Ils avaient pas vu qu'on avait encore l'ancienne Prodata. Encore la PFE. Après, j'ai toujours cru que la Prodata c'était cette petite machine là. Là, je crois que c'est. Je crois que ça en fait partie. C'est un Orbira. Un Orbi. Bref. Je ne sais pas se dire son nom, mais. Connu. Notamment sur les S2000T. Ensuite, ça a été remplacé par les petites machines rouges qui font tout de avec la carte. C'est marrant ça qu'un jour il y a cette VAR qui existe sur ce bus où, au lieu de la machine lancer un orbirateur, ce soit l'autre. Valide. Leader. Après si vous prenez le livre STB qui a ça, c'est pas très cohérent au niveau temporalité. Si je me trompe pas. Bref. 4 km, nous arrivons au terminus. C'est normal que la map est fluide parce que j'ai déjà chargé la zone il y a même pas 10 minutes. J'ai l'impression d'avoir rush la vidéo là. Donc. Nous continuons, nous. Peut-être que sur le live je ferai la ligne 350, mais à voir. Tellement des vidéos de ceux qui se mettent toujours au fond du bus pour filmer. Et c'est drôle. La voiture n'existe pas. Il n'est que hologramme. Mais ce que je viens de dire était très français. Hop, on va essayer de faire une... Ouais. Peut-être un flea game. Il n'y a pas trop de décoration ici, donc on va pas le faire. Bon, nous sommes à... de 93 km/h. Je sens que cette vidéo on va pas encore m'entendre comme la vidéo du Volvo 7900. Attends, non, c'est pas la... Non, c'était le A308 où on m'entendait pas. Mais on va aller prendre l'Iveco limite. La 600 ça aurait été drôle sur cette ligne, mais je vais pas prendre la 600 qui a été faite il y a 10 ans. Attendre que les nouveaux modèles sortent. Franchement j'ai vraiment hâte que la mise à jour va nous l'arrive. Je sais que je l'ai souvent dit dans une autre vidéo, mais j'ai vraiment hâte. Vraiment l'un des bus les plus chouettes. Ouais, on va rouler un peu sur la bande d'urgence. Hein. En fait, je me crois dans Fast and Furious, mais c'est pas possible.
Alors là, c'est une référence d'un film que j'ai pas vu. Hein. Ah, la boss, attention. Oh, c'est la conne de cette boss. Vas-y. Attends, je suis bête, on a qu'à faire là le screen. Oh, on aurait pu atteindre les 100 km/h. De Vanul, ça se voit qu'il n'est pas fait sur les... pour aller sur les autoroutes. En plus, je crois qu'il avait dit en plus. C'est pas grave, on a qu'à dire que... On a qu'à dire que c'était le bus qui traînait au dépôt. De toute façon, je fais ce que je veux. Limite à jour, ce sera le slogan de la chaîne. Je fais ce que je veux et je vous embête. Alors, je ne mettrai pas, je vous embête. Hein. Bon, j'ai la voiture. Hein. On aurait pu faire ici aussi le screen. Du voir qu'il progresse encore sur la droite. Normalement, je dois sortir par là. Attention, on va rebondir. J'avais dit. Ça, on était obligé de se prendre le truc. Après, ça, c'est pas de la faute de Tecmo, c'est juste que c'est chiant à mettre en place des collines et tout ça. Ici ça va. Hein. Je vous montrerai... Le jour où je vous montre la map, vous allez être surpris. On a des bus qui savent supporter la montée, c'est tout ce que j'ai à dire. Pas non plus faire une pente qui fait 80% de. Je sais plus quoi. Désolé, j'ai un peu le pied foncé sur la pédale, on va dire. Je sais pas comment le dire autrement. On tourne à droite. Je dis on tourne à droite, j'ai oublié de mettre le clignotant, bravo. De voitures garées. C'est une constatation. Alors, je tiens à dire un truc, ça n'a rien à voir, mais sur Vidmol, je ne ferai pas les lignes de tram pour des raisons évidentes que je crache, moi. Alors, je piquerai un tram en AI. Là, nous arrivons au dépôt. Normalement, un petit. Normalement, un bus est déjà là-bas. On le voit d'ici. Ben, je le vois perso, mais vous allez être super flou avec la compression de YouTube et tout. Et bien, à mon aise, on a 3 minutes d'avance. Hein. Et j'aurais pu juste aller à la gare et faire demi-tour. Plus je me rapproche du dépôt et plus on gagne de l'avance. C'est incroyable. Avec les petits Cetra qui sont garés. Rouler sur le trottoir, c'est pas grave. Oups. Le petit C2 qu'on a utilisé dans l'épisode précédent est toujours là. Il est en train de faire son plein. Et voilà. Alors je sais que sur... je crois que c'est sur la 308, mais il n'y a pas l'arme de fermeture de porte.
Donc voilà, voilà, c'était la dernière vidéo. Donc, nous allons aller à côté du C2. Ok, ça veut pas. Si c'est bon. Hop. Oh tiens, un AG 300 bar 1. Ah non, bar 2, pardon, j'avais pas vu qu'il avait la casquette. Donc. Voilà. Deux générations différentes de bus. Mais pas le même constructeur. Nous avons une version ici de je ne sais plus quelle année, hein, et à droite nous avons une version de 2011. Entre 2011 et 2017 de ces deux. Ah non, c'est une version de... Ça c'est une... Il date de 2002 ce bus. Donc il aurait 20 ans cette année. Du coup, merci d'avoir suivi cette vidéo. Hein, pensez à liker, commenter, tout le tralala. Merci d'avoir suivi la caverne série Visravelia. On se retrouve bientôt pour le live. Et je vous dis à la prochaine.